les amis, bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, ça faisait super longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une nouvelle vidéo. Mais je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis chez moi dans ma chambre parce que dehors il fait un peu trop de vent, il fait soleil mais avec du vent. Donc j'ai préféré de vous faire cette vidéo dans ma chambre tranquillement. Donc ça fait très plaisir de vous retrouver, désolé pour ce retard. Comme vous savez peut-être, je travaille énormément sur mon action citoyenne pour aller ramasser les déchets en bord de route. Ça avance super bien, c'est samedi là, donc ça avance à grands pas, bientôt le jour J. Voilà, c'est que des bonnes nouvelles, j'ai des félicitations à droite à gauche, je passe également dans les journaux, c'est super, je suis très bien référencé sur différentes associations qui lutte pour les déchets en forêt. Et notamment la semaine dernière je suis passé sur le premier journal que j'ai là, je l'ai ici là, voilà, donc je vous le montre. Ah, attendez, hop, alors je sais pas si on va le voir, voilà, est-ce qu'on va le voir, il y a moi là et le titre c'est Léo défenseur du patrimoine naturel de la commune du Porge. C'est un très beau titre qui explique ce que je fais sur ma page Facebook que je gère. Donc c'est super, c'est passé sur le journal du coin, donc ça veut dire le journal du Médoc. Donc il y aura aussi un autre article qui va apparaître la semaine prochaine, je m'en doute, sur l'action que j'organise moi-même. Et ainsi que sur un autre journal, pareil, même article. Voilà, donc on commence à être bien connu à droite à gauche, ça fait super plaisir. Il n'y a pas seulement sur les réseaux sociaux que ça fonctionne, il y a aussi sur les journaux. Il y a aussi des affiches que j'ai placardées un peu partout. Donc c'est super sympa. J'espère que je croise les doigts pour qu'il y ait du monde et qu'on soit aussi nombreux qu'on peut pour aller ramasser tous ces déchets qui sont jetés par des touristes ou des locaux. Mais beaucoup d'incivilité l'été. J'étais allé faire un tour pour faire des repérages et je vous dis que c'est vraiment dégueulasse les bords de route. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail. J'espère que je pourrai faire des vidéos, des petites vidéos sur les différents lieux que je pourrais y aller. Alors c'est moi l'organisateur, c'est moi qui gère tout dans l'ensemble. Il y aura une petite collation avec une boulangerie qui nous offre des viennoiseries. Et il y a aussi un traiteur qui nous fournit le casse-croûte du midi. C'est vraiment sympathique, avec l'aide d'une personne très sympa également, qui habite dans la commune. C'est vraiment un truc sympa. C'est ma première action. J'en ai parlé l'année dernière pendant le confinement, que j'ai pas pu le faire et que j'ai laissé de côté. Donc je me suis dit que cette année il fallait que je reprenne, que je le retravaille et que je propose à la mairie. Ça a été accepté avec grand plaisir, donc je fonce droit devant pour arriver à mon but et je vous ferai peut-être une conclusion lundi parce que le dimanche je serai peut-être crevé. Voilà. Sinon de ça, je m'en excuse, donc ça fait à peu près 3-4 semaines que je ne vous ai pas fait de vidéo, malgré qu'il y a les vacances, les chantiers ça se reprend tout doucement, il y a quelques coupes à droite à gauche, ça reprend vraiment doucement, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres début septembre. Voilà, on recommence une année, j'espère qu'il fera beau, voilà, on va bien en profiter, repartir sur de bonnes bases. Niveau sur ma chaîne YouTube, ça continue à se développer, à évoluer dans le bon sens. Je remercie les 597 abonnés, ça me fait super plaisir en tout cas. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, liker, commenter, partager. Comme d'habitude, c'est super ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, à me soutenir pour des projets. Je pense aussi, je travaille également sur mon projet pour aller au salon Forest Expo qui va se passer à Mimeuzan cette année au mois de septembre au lieu de juin
cette année. Ça a été reporté à septembre à cause du Covid. Donc, comme vous savez que le Covid fait pas bon ménage partout, donc c'est assez compliqué. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, ça va bien. Moi, les vacances, ça a été plutôt bien. Donc, bien en profiter. Donc, j'espère que vous, ça va très bien. Que vous faites. Je vous souhaite aussi une bonne rentrée pour tous ceux qui vont faire la rentrée la semaine prochaine, c'est-à-dire le 2 septembre, donc c'est un jeudi. Faut pas chercher à comprendre pourquoi ils ont fait la rentrée jeudi, au lieu des autres années, c'est lundi tout ça. Faut pas chercher à comprendre, hein, c'est la France. Voilà, donc l'été c'est terminé, ça passe à une vitesse phénoménale. On va se retrouver en automne, voilà. On commence à avoir les feuilles qui tombent. En fait, tout est en retard, le climat est détraqué, voilà. Mais bon, moi, j'espère croiser les doigts pour que je puisse faire mon action tranquillement. Et si c'est une action qui marche bien, ça sera renouvelé l'année prochaine, donc l'été prochain, ou au printemps 2022. On verra comment on va faire. Je rappelle, c'est une initiative que j'avais eue depuis un an. Je l'ai laissé de côté pour penser à autre chose. Je l'ai repris cette année pour le développer et le proposer à la commune. Donc ça a été accepté avec Madame la maire qui a accepté ce projet. Et ça va se faire samedi 28 août. Donc ça, on va commencer à 8h30 et puis ça va être sympa. Il y aura, j'espère, beaucoup de monde et puis en espérant que ça... qu'on puisse ramasser un maximum de déchets qui pourraient traîner à droite à gauche. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous faire un petit coucou et puis que juste pour vous dire que je suis toujours actif sur la chaîne, même s'il n'y a pas tant que ça de vidéos sur la chaîne. Je m'en excuse encore une fois. Je vous retrouve à septembre pour de nouvelles vidéos. On va recommencer toutes les vidéos, la série, etc. Allez, c'est reparti. Pour une nouvelle année. Donc désolé. Allez, bon, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne fin de vacances. En profitez bien. Il refait beau, il refait chaud. Donc en profitez bien de ces derniers instants. Et je vous souhaite à tous bonne rentrée. Bon courage pour tous ceux qui ont repris le travail. Voilà, bon, c'était Léo. Je vous souhaite à tous. Je répète, c'est normal. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis on se donne rendez-vous au mois de septembre. Allez les amis, ciao, ciao.